en pleine forme, on se retrouve pour retour de course. On a décidé de changer un petit peu notre manière de consommer, notre manière de faire. Vous allez découvrir ça au courant du mois, puisque je vais vous faire des batch cooking au niveau des goûters des enfants, parce que quand ils rentrent à 17h et avec les travaux, on mange un peu plus tard, on mange qu'il est 19h parfois. Et il y a parfois aussi les mercredis après-midi, ils sont à la maison, c'est les vacances, les dimanches, les samedis, etc. Et donc ils grignotent un peu tout et n'importe quoi, et donc j'ai décidé de faire les trucs maison. Donc j'ai pris des œufs, sachant que ma maman m'a donné les siens, donc il y a 3 boîtes en fait avec celle de ma maman. Donc j'ai pris 12 œufs frais, élevés au sol. Donc voilà, j'en ai pris 2 boîtes, donc ça fait 24 plus une de ma maman, ça fait 36 œufs pour faire toutes mes pâtisseries. J'ai pris un gros sac comme ceci avec 5 chips au sel, 4 au paprika, 3 au ketchup et 3 au pickles. Je trouve que quand il fait chaud, c'est très bien. J'ai repris des grenadines. J'en ai pris 2 kiwis bananes. Ça a l'air super bon pour l'été avec de l'eau très 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 fraîche. Ça va être super bon, mais il y a du sucre, hein, donc je vous le dis. Mais bon, voilà. Sirop pêche abricot. Et le grand barbu vient de prendre l'autre qui était pomme cassis, mais il est en train d'en boire. J'ai repris 3 pains comme ceci. Donc il y en a 2 qui vont aller direct. Enfin, il y en a 2. Un qui va au congélateur. Un qui est déjà entamé. Et un que je vais prendre pour faire mes croque monsieur. J'ai repris des croquettes pour le chat. C'est au poulet et au riz. C'est spécial pour les systèmes urinaires. Anti-poils qui se nouent, c'est spécial calcium phosphore, ça se digère facilement, donc voilà, c'est de la marque Juliette. J'en étais à 183 euros pour information, mais je vous ai dit que je faisais super attention. On a repris du jambon comme ceci d'épaule. J'ai repris un kramik, parce que ça je sais pas faire moi-même, donc je l'ai pris. Un kramik, je sais pas faire le kramik, je sais pas si vous savez faire le kramik. Mais moi, je ne sais pas. J'ai repris des bananes. Alors, j'ai repris une main de banane comme ceci. C'est 1,50€, je pense, un truc comme ça. Et j'ai repris celles-ci, qui sont des spéciales juniors. Elles sont plus petites. Je les ai pris un peu plus vertes parce que parce qu'elles vont mûrir et les enfants vont pouvoir en profiter. J'ai repris des nectarines catégorie C, 1 kg. C'était 3,25€, je pense, les nectarines. J'ai repris des fraises. Ça, je ne saurais pas vous dire le prix. J'ai le ticket de caisse, donc je ne saurais pas vous dire le prix. Donc voilà, j'ai repris des fraises, c'est 500 grammes. C'est des fraises pour confiture, donc elles sont pas trop... Enfin, moi, je les aime bien, elles sont petites. C'est ça que j'aime bien, elles sont petites. Pour les enfants, c'est super facile. En parlant d'enfants, j'ai fait un petit plaisir. J'ai pris des petits bonbons pour les enfants, parce que c'était 3,99€. D'ailleurs, il est marqué Aldi. C'est pas tellement cher. Et en fait, je pense que c'est parce que ça vient de l'époque de Pâques. Et que donc ils sont en train de vider leur stock, donc j'en ai profité pour prendre des petits bonbons comme ça. J'ai repris des snacks Oreo comme ceci. J'ai pris 3 boîtes normalement. 3 boîtes, je vais les remettre au frigo. Ça fait 3 fois. Il y en a 4 à chaque fois. Donc on va dire que c'est à peu près pour 3 goûters frais quand il fait très très chaud. J'ai repris des crèmes dessert, c'était 79 cents, ça je le sais, pour 4. Donc j'ai pris vanille et chocolat. Sachant qu'au niveau yogourt, je regarde aussi du côté de ma maman. Hop. Parce qu'elle m'avait donné, oui, elle m'avait donné des safari, donc j'ai encore des trucs là. On a repris 2 pots de Nutella, toujours version Belgique. Donc voilà, ils étaient à 4,65€, c'était un petit peu moins cher. Donc on en a repris 2 pots. Sachant que les enfants, ils mangent le top budget. Il n'y a vraiment que Dimitri qui mange celui-là parce qu'il est malade avec les autres. Il ne supporte aucun autre chocolat tartiné. Et le matin, il ne mange que ça. Il ne sait pas manger autre chose. Donc voilà. J'ai un deuxième paquet de jambon d'épaule. J'ai repris un gros paquet comme ceci de Knoppers. 15 Knoppers. Ce qui veut dire que c'est pour l'école. C'est pas pour ici. C'est pour les enfants aller à l'école. J'ai repris 3 briques d'Alpro soja. Nature, 100% végétal pour les enfants. Et il était pas très cher. On va dire que ça allait encore. Comme je vous ai dit, je fais mes pâtisseries un peu moi-même. Donc j'ai pris des dragées au chocolat pour les crèmes glacées. Mais c'est aussi, moi je vais en mettre dans les muffins. Ça va être super bon. J'ai repris des petites billes de chocolat comme ceci pour également mettre dans les muffins ou mettre...
au-dessus de fromage blanc, de glace. Vous le mettez où vous voulez, et des fines comme ceci. Ça, c'est top pour mettre au-dessus de la glace vanille, c'est trop trop bon. Donc voilà, j'ai repris un gros lit, ça c'était très cher, c'est 4,60€, mais c'est, voilà, avec un comme ça, je vais un mois et demi, hein. C'est juste pour cuisiner et mettre un peu dans la salade. Donc voilà, de l'huile d'olive, tout simplement. On a repris deux briques de jus d'orange qui étaient à 79 cents pour le matin, se faire un petit déj vite fait, bien fait. J'ai repris un gros, parce que d'habitude je prends les tout petits chez Intermarché, mais j'en ai trouvé qui ressemble très fort à celui que je prends à l'Intermarché, qui est de la crème comme ça que je mets dans mon café le matin. Donc voilà, j'ai repris de la crème pour café. J'ai repris un gros berlingot comme ça de jus de citron vert pour mettre dans mes milkshakes, pour mettre dans mes carottes râpées, pour mettre dans la salade, pour mettre dans les pâtisseries, pour faire des petits cakes au citron. C'est pas mal du tout. J'ai repris de nouveau, oula, il s'est déchiré, j'ai du sucre partout, 1 kg de sucre, maintenant il ne doit plus rester 1 kg, mais bon, je vais le vider tout de suite dans mon truc. J'ai repris de la crème chantilly, la crème comme ceci, pour mettre sur les glaces. J'ai repris deux paquets, je pense, deux paquets comme ceci, de petits laits à la fraise. Sandro, il aime bien ça, donc voilà. J'ai repris de la sauce andalouse. J'ai repris 1, 2, 3, 4, je pense que je dois avoir repris 4 petits sésamels comme ceci. C'est aussi 79 cents pour les 6. Ensuite, j'ai pris des petits snacks comme ceci, salés, paprika. Donc voilà, c'est 350 grammes, c'est des petits mix. Quand il fait super chaud, moi j'aime encore bien. Quand on est dehors, tout près de la piscine, l'après-midi, et qu'on a envie de grignoter un petit truc, ben, ce genre de choses, c'est pas mal du tout. Donc voilà, barbecue et paprika. J'ai repris deux pots de grands de sauce bolo, comme ça, deux gros pots de sauce bolognaise, pour faire des pâtes. Hop là, j'ai repris un paquet de 22 petits pick-up. Ça aussi, c'est pour l'école, pour les collations. J'ai repris 2 kg de farine, puisque je vous ai dit que je voulais faire des batch cooking pâtisserie, donc il me faut bien ça. Hop, j'ai repris encore des petits paquets comme ça, pré-emballés d'Haribo, pour les enfants, en fait. De temps en temps, ils aiment bien ça pour aller à l'école. J'ai repris un bel color comme ça. Alors, c'est pas pour moi. Non, c'est pas pour moi. Vous n'allez pas être d'accord, je sais bien, mais voilà. Je l'ai fait à Zoé. Et je vais le faire maintenant en G, c'est pour les poux. C'est la seule chose qui fonctionne, on a tout essayé, on a essayé tous les shampoings, tous les répulsifs, on a tout fait, on a lavé à chaque fois, on lave tout, on change les têtes d'oreilles, enfin, voilà, et elle est tête à poux, et donc du coup, les garçons, bah, c'est assez facile, putain, on donne un coup de tondeuse, et c'est fini, mais les filles, ça ne fonctionne pas comme ça, donc Zoé, quand elle avait 6-7 ans, je lui en avais fait une, et j'avais pris la couleur de ses cheveux, donc ici, j'ai pris Bon Cendré pour Angie. Je pense que voilà, ça va poup poup et ça sera terminé. Et bien souvent, moi quand j'ai fait ça, j'ai plus de poux. J'en avais fait aussi sur les miens quand j'étais toute petite, de la même couleur que mes cheveux à moi. Personne n'avait rien vu et je n'ai plus eu de poux. On a pris deux kits de bouteilles comme ceci. Voilà, pour quand on est dehors, ça évite de renverser, ça évite que les guêpes, les mouches, tout le brol, les petits trucs qui tombent du ciel, les pétales, les machins, le pollen viennent se foutre dans votre boisson. Ces bouchons sport, ça se referme tout facilement. Et c'est juste parfait. Quand ils n'ont pas fini leur boisson, vous la refermez. Vous la mettez au frigo. Le lendemain, vous l'ouvrez et ils reboivent. Voilà, ça c'est parfait. Ensuite, j'ai repris toujours pour les collations d'école. Parce que maman part en vacances et on ne la verra pas pendant 2 samedis. Donc 15 jours. Donc du coup, c'est moi qui prends les collations pour l'école. J'ai pris des petits paquets comme ceci de Saint Wafers. Il y a 10 paquets dedans. Donc voilà. Et toujours pour l'école, les dernières collations que j'ai prises, il y a 4 enfants qui vont à l'école et qui sont scolarisés. On est 5 enfants, mais un bébé. Mais il y en a 4 qui sont scolarisés et qui vont à l'école tous les jours. De 8h du matin jusqu'à 16h15, 16h30. Donc du coup, au niveau collation, c'est un fruit, une compote. Mais ça, j'ai encore des réserves de compote et un petit biscuit comme ceci. Pour 15 jours, il faut bien ça pour les 4 enfants. Donc ensuite, j'ai repris, hop, une petite barquette de yogourt maigre aux fruits, donc pour les enfants, parce que moi je mange du fromage blanc uniquement.
On a repris pour les deux dimanches qui viennent parce que d'habitude le dimanche on reprend les restes chez ma maman, mais comme je vous l'ai dit, ma maman n'étant pas là, il n'y aura pas de reste évidemment. Et donc moi le dimanche je prévois rarement dans mes trucs. Donc là j'ai pris des lasagnes. Donc trois lasagnes pour un des trois. Oula, ils sont lourds. Voilà. Et pour le deuxième repas du deuxième dimanche, il y a 8 pizzas. Donc on est 7 à manger. Autant vous dire que c'est une pizza par personne, plus une supplémentaire. Donc voilà. Et puis ensuite, il y a trois choses surgelées. Hop. J'ai repris 1,19€ que c'était. J'ai pris 1 kg de haricots très 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 fins. Voilà. J'ai repris des frites, 2,5 kg de frites. C'était 2€ et des. C'était pas super cher non plus les frites. Et j'ai repris 1 kg de carottes en rondelles. Et puis je pense que c'est tout. Ah non, j'ai pris une brique. Voilà. Hop, ici, j'ai repris 6 litres de lait comme ceci. Voilà. Et je vais quand même vous montrer la bouteille de grenadine au cassis, comme ça vous l'aurez vu. Parce que le grand barbu doit s'en servir. Donc, j'ai pris une bouteille comme ça parce que je savais pas trop, je savais que kiwi banane ça allait aller. Mais les autres goûts, j'étais pas trop sûre. Donc voilà, j'ai pris pomme cassis. Le grand barbu vient d'en prendre, il m'a dit que c'était super bon. Et ma maman a vidé son frigo avant de partir. Donc j'ai, en plus de ce que j'ai là, j'ai du salami. Une plaquette presque complète. Il y a 6, 9 petits safaris. Elle m'a donné un camembert qu'on devait manger, mais qu'on n'a pas eu l'occasion de manger un samedi, qui sont super bons, le camembert. Elle m'a donné deux petits packs comme ceci. Elle m'a donné donc 4 tomates. Il y en a 3, mais je pense qu'il y en avait 4. La quatrième doit se cacher quelque part, parce que c'était 4. Ça veut dire 4 tomates que je vais faire aujourd'hui avec mes croque-monsieur. Elle m'a donné deux paquets de beurre salé. Voilà. Deux paquets de beurre salé de chez Lidl, évidemment. Elle m'a donné du saucisson comme ceci pour les ouvriers demain, parce que j'ai mon frère et mon fils qui viennent demain. Ça, c'est de la retour qu'on a récupéré. Et elle m'a donné des crème pudding au petit parce qu'il lui restait 2 crèmes. Il en a mangé une chez ma maman et il voulait la deuxième, donc elle lui a donné la deuxième. Hop. Elle m'a donné une boîte complète de 12 œufs, donc élevé au sol aussi. Donc comme ça, j'ai 36 œufs pour faire mes batch cooking. Et elle m'a donné, ça c'est super, je suis trop contente, parce que moi j'en prends jamais. Elle m'a donné 2 petits cubes de levure comme ceci, donc ça va être top. Donc voilà, on en est à 183€, sachant que il nous reste encore des dernières courses, énormément de bouteilles d'eau pour l'école, on est à full. Il nous reste encore des légumes, il nous reste encore du riz, on en a pour 3-4 repas. Il nous reste encore au moins pour un repas de pâtes. Et j'ai encore 3 repas viande dans le congélateur, plus un reste de sauce couscous qu'on peut aussi faire avec des pâtes ou avec du riz. Et donc voilà, donc du coup là on est reparti jusque, j'espère aller jusqu'au 12 juin et refaire seulement des courses le 12 juin. Et encore une fois, quand je ferai mes courses, je regarderai ce que j'aurai besoin, parce que là j'ai quand même pas mal. Donc voilà, voilà, sachant que, comme je vous l'ai dit, les CCML, il y avait 4 CCML, donc 4 petits berlingots de CCML, et Angie en boit un par soir. Et le lait soja, j'en avais pris 3, si jamais je ne vous l'avais pas dit, j'en avais pris 3. Et le lait de vache, on a pris 6 litres, puisque on en met un peu dans, enfin le grand barbier en met un peu dans son café. Les enfants, quand ils mangent des céréales, c'est avec du lait de vache, on n'est pas intolérant au lait de vache, c'est juste qu'on le diminue parce qu'il est cher, mais aussi parce que je me sens mieux, moi, depuis que j'en ai quasiment plus dans mon alimentation, moi, puisque je fais tout au lait de soja, au lait de noisette, à peu près, sauf les pâtisseries que je fais également au lait de vache. Donc voilà, j'en ai pour 183€, on va faire le compte, on va essayer d'arriver à maximum 650, voire 700€, pas plus de courses. Donc vous allez voir un petit peu tout ça cette semaine. J'ai refait tous les menus et je prépare par principe par menu. Donc par exemple ici, je sais que pour la semaine prochaine, j'ai déjà fait mes menus. Donc j'ai repris uniquement pour dire de pouvoir refaire un repas pâte en supplément de ma semaine. Des croque-monsieur pour aujourd'hui, puisque c'était prévu croque-monsieur. Donc comme j'étais là, j'ai repris. Mais la salade qui est marquée, ben, je vais la chercher dans ma serre, puisque j'ai une serre et il y a de la salade dedans qui est prête.
J'ai repris des pizzas et des lasagnes pour les deux dimanches qui vont arriver. Donc normalement, je devrais aller jusqu'au 15 juin, comme ça. Donc voilà. J'espère que ce retour de course vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me donner des idées de recettes, des idées de gâteaux, etc. De cakes, de... Ce que vous faites, vous, comme petit gâteau, dites-le-moi. Vous pouvez le dire aussi sur Instagram, vous pouvez me rejoindre sur TikTok, puisque mon TikTok est actif et il va arriver ici devant vous. Il est actif d'ailleurs, merci déjà pour ceux qui sont venus. Et il y a une vidéo, il y a quelques vidéos qui ont déjà été mises, donc n'hésitez pas à aller voir mon TikTok. Et puis nous, on se retrouve bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo.